Voilà, bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes sur Alain TV, la poursuite de notre édition de décision 2015 avec, bien sûr, un focus sur les présidentielles haïtiennes. À soi maintenant, c'est M. Jovenel Moïse, candidat à la présidence du PHTK. On a toujours été dans la conjoncture, là. Grand sondage qui sortit par un institut de recherche du Brésil et qui révélait que le résultat, c'est Pierre Balal et tout autre. Juste les Saint-Avenir en première position avec 37% des voix, Maurice Jean-Charles 30%, Maryse Narcisse 19% et au même 6%. Madame, comment interpréter son sondage? C'est que le sondage, nous avons un pile sondage qui est fait dans le pays d'Haïti avant l'élection. Il faut me dire nous, et sondage en pile film, film étranger, film haïtien. Mais là, un sondage sorti, premier ça pour nous demander qui est-ce qui commandite le sondage. Parce qu'un sondage, ce n'est pas un papier qu'on nous décide, un volontaire levé un jour matin et puis il dit, bon, ok, je vais faire un sondage. Ça veut dire, là, nous disons qu'il y a un monde qui commandite, il y a un monde qui paye le sondage. Pour un sondage sorti, nous-mêmes, pour nous commenter sur lui premièrement, il faut nous connaître qui est-ce qui paye. D'ailleurs, ouais, nous comprenons que Jovenel Moïse vient en quatrième position. Dans le sondage, post-électoral. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est son sondage qui fait le monde sur soutien à bureau. Ça veut dire exit poll. Exactement. Le monde a soutien à bureau de vote, là pour dire que qui est-ce qui souhaite voter. Maintenant, qui est-ce qui paye? Ni moi-même qui suis là, que téléspectateur a regardé moi, ni ou même Patrick, bah quoi, nous connaissons qui est-ce qui paye le sondage. Ça. Mais en fait, le sondage, là, nous voyons qui est-ce qui est premier, qui est-ce qui est deuxième, qui est-ce qui est troisième, qui est-ce qui est quatrième. Est-ce que moi-même, si parti PAM a décidé demain matin de payer un sondage tout pour un film, te dit qu'on peut, on jeune te dit à exit pour le sondage qui fait pour nous connaître, nous allons pouvoir Jovenel Moïse premier au premier tour à 50+1 des voix. Ça veut dire me penser, je dis un fois grand pile précaution que nous prenons. Et papa ici cap garder me là parce que on a LNTV non seulement les son télévision mais nous sur internet on a grand pile monde dans le monde entier cap garder me là ça m'a dit c'est pour ouais phénomène nek banane son étude de cas que moi même dit pour qui ça son étude de cas non pays côté université à tap marché qui t'a supposé un centre de réflexion et d'innovation. Forcément, dans l'université, dans la faculté de sociologie, la faculté d'anthropologie, la psychologie, pour analyser ce qui se passe. Il y a une campagne électorale, le conseil électoral a été 6 semaines pour faire campagne. Mais moi-même, depuis le premier jour, moi, je suis candidat à la présidence. Et d'ailleurs, nous sommes un monde qui a fait 8 ans président de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, 2 ans secrétaire général de la Chambre de commerce d'Haïti, intéressé par le secteur agricole au plus haut niveau. Moi, je fais tout le pays, je suis tout Haïti. En avant campagne électorale, là, dans la pré-campagne, je suis en Haïti 2 fois. Ça veut dire que je suis regardé par la Mounio. Je me suis dit que je dans plein bac au noir dans la campagne. D'ailleurs, il y a une petite histoire que je suis sur ça. Je suis dit que petit petit qui est campé, qui a demandé, le mal est mal approché, il est rentré, et puis maman, là, il me dit maman, pourquoi tu mets ton petit comme ça pour la demander. Il dit non, il y a un petit petit là, il y a 2 jours, il n'y a jamais mangé. Pendant ce temps-là, dame, ça a été sous. Plein de bacs noirs qui sont 4000 carottes, et puis il y a une rivière carotte qui parle dans la mer. Moi-même, le programme politique, là, l'étape construite, je dis oui, nous allons continuer à faire ça qui est bon, nous allons corriger et nous allons innover. Et c'est ça qui fait sensibilité que je me gagne par rapport à voyage. Moi, je viens de me rendre compte que le programme politique, PAM, priorité, c'est la production agricole, c'est la modernisation de l'agriculture, Capchita. Sous 4 éléments que nous avons mis ensemble, terre, rivière, soleil, là, mounio. Mais qui ça, l'autre candidat, vous avez nous attendez. Pendant 6 semaines, le président Matéli s'est corrompu, le président Matéli est tué juge, président Matéli, président Matéli, président Matéli, président Matéli. C'était ça, la campagne électorale. Là. Moi-même, moi, j'ai pris ensemble pour m'entendre toute l'autre. Moi, j'ai tenté la campagne, moi, j'ai tenté le programme. C'est un programme qui était basé sur le nom du président Matéli. Mais je dis, ça, moi, si c'est comme ça, monsieur, tape continue, il pourra perdre l'élection. Eh bien, chose dite, chose faite, le 25 octobre, moi-même,
Moi, je viens avec le slogan Nèg Banane, qui est encore son slogan, qui traduit production nationale, là, c'est le seul moyen pays qui a sorti dans sa lié, dans la crise liée aujourd'hui. Là, nous mettons terre, rivière, soleil, là, nous ensemble. Mais, peuple achète. Peuple prend le programme. Non? Et si nous regardons dans les réseaux sociaux, nous regardons dans tout ça qui a passé, Banane, nous avons un sujet de conversation, ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent contre, il y a des gens qui parlent pour. Mais en fait, Banane, il occupait tout espace. Mon lot est encore. Ça veut dire que je suis en poule là. Voilà. Faut même yo ta fon suspend parce que c'est côte là monter. Tout temps on mettait banane. Quand on mettait le négatif positif, c'est publicité on fait c'est ça. Est-ce que dans réalité nous venons trouver nous je dis là monsieur Jovenel Moïse quand même faut nous pays. C'est vrai que l'élection en son moment puis gain pays. Est-ce que on ca considérer rencontrer candidat pour nous un petit peu dégeler la crise post-électorale? Patrick Fomjou, moi j'ai rencontré plusieurs déjà. Nous ne pouvons pas dire devant la caméra là, pour nous dire que j'ai rencontré X, Y, mais même toute vie, les fêtes, je suis un homme d'inclusion. Moi j'ai rencontré plusieurs candidats à la présidence. Je parle avec quelqu'un dans le téléphone. Mais pas oublier, pour nous comprendre, je dis à nous-mêmes, qui nous-mêmes peuple haïtien que politique là c'est un coup son industrie que lié. Ça veut dire moi-même avant de t'entrer dans politique, moi te comprendre que politique là la politique elle a pour servir seulement. Et c'est ça me vient dans l'idée jusqu'à présent et c'est pour ça moi-même je dis on prend décision pour m'entrer dans politique. Pour mal servir comment pour faire Haïti sortir dans route changement que l'administration président Matelien sous mettre là pour aller sur route prospérité là l'homme qui a mis terre au soleil la rivière mounyo ensemble. Mais en fait, là, je comprends bien, politique, là, son industrie. Industrie, comment? C'est que, ou une quantité politique traditionnelle, c'est de ça que vous vivez. Ou pas qu'à dire, c'est pas du jour au lendemain qu'on a dit, ça, mettre l'école sous côté. Et c'est normal, c'est humain. Même j'ai moi-même, son entrepreneur bien. Si vous dites, même le candidat à la présidence, mais tout business, moi, rien, il existe. Ou pas qu'à dire, pour me quitter du jour au lendemain pour m'abandonner. Moi-même, à quand pile l'humilité avec sa sagesse, moi toujours dis, moi pareil pour me dialoguer à tout le monde. Ce n'est pas parce que son position de faiblesse, ce n'est pas ça. Parce que je me dis dans la campagne, moi, il y a 54 candidats à la présidence. Ça veut dire qu'il y a 53, plus moi-même. Ce n'est pas 54 mon fou. C'est 54 monde qui viennent dans notre tête pour le pays. Mais sauf que moi-même, j'aime dire, le peuple a compris mieux, le peuple a accepté, il a voté, mais 53 l'autre. C'est 53 haïtiens. C'est ça. Mais candidat rencontré ou parlé avec eux, de qui ça nous discuter et qui ça qui était objet, conversation avec eux, que ça rencontré physiquement, que ça communiqué avec eux par téléphone. Ça m'a rencontré physiquement, yo, c'est des amis, parce que faut me dire, il y a des amis qui candidat à la présidence là. Que pour nous parler, pour nous dire que nous pas capable de nous yon pour nous tirer à boulet rouge sur l'autre, parce que c'est Haïti d'abord. On nous voit comment nous cap faire pour nous prendre. Pour nous joindre au modus operandi pour c'est Haïti nous mettre devant. Parce que grand-père dans c'est Haïti. Et nous voyons ça qui se passe là. Pendant 4 ans et demi, le Sénat de la République, le groupe sénateur, il a radicalisé face au pouvoir en place. Il a bloqué une loi. C'est le FNE qui a supposé une loi qui peut permettre plus de monde d'aller à l'école, qui peut permettre plus de monde d'aller à livre, plus de monde d'aller à uniforme, plus si le monde a un transport gratis, il est bloqué. Mais qui est-ce qui perd? Ce n'est pas ni sénateur ni président, Martin. C'est Haïti qui perd. Ça veut dire que c'est si le monde n'a pas joué, si le monde est pauvre, que pareil, il n'y a pas de possibilité pour payer le transport, pour payer l'école, pour c'est qui perd. Maintenant, c'est ça que fait dans le dialogue avec le candidat que je rencontre vis-à-vis. C'est de ça que je parle. Parce que toute vie, c'est ça, moi, je suis Haïti, c'est Haïti qui me met devant. Mais comme le peuple a fait le choix de voter, c'est pour ça que je dis. On parle ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de jouer nos modus operandi pour le pays lui-même. Les continuer sur la route liée. Ce n'est pas pour le saut parce que le pays a son route de changement. Puisque Haïti fait 25 ans, nous n'avons l'issue noire. Haïti n'a pas existé sur la carte mondiale de pays à destination touristique. Dans les consensus, là, vous parlez à M. Jovenel Moïse. Il y a des propositions de consensus qui sortent dans le débat politique. Il y a la proposition de Clarence Renoir.
il y a la proposition du sénateur Simon de Sordera pour que le groupe qui est devant eux a formé un gouvernement collégial inspiré de crise que la République dominicaine a gagnée dans les années 92-93, je crois. Comment comprendre ces deux propositions? Proposition, yo, toute proposition qui peut faire aujourd'hui, il faut le faire de la loi. L'homme dit la loi, ça veut dire normalement avec. Puis il a oublié que nous avons un parlement élu aujourd'hui. Ça veut dire nous n'avons pas un parlement élu, et puis pour me faire des propositions sans ne pas rendre compte ou bien ne pas prendre en compte le parlement ça qui est élu. Ça veut dire sénateur élu, député élu. 50e législature à partir du 2e lundi de janvier, il est supposé entrer en fonction. Ça veut dire, quelle que soit la proposition qu'un leader politique qui perd, je dis on le fait, faut l'y aller dans le même sens avec volonté populaire. Volonté populaire dit qui ça? Les élus des gens pour le représenter, pour le parler pour lui. C'est ça que fait un député, un sénateur qui est élu pour légiférer. Même j'ai moi-même ma première position dans la course électorale pour présidentielle. Je ne suis pas là pour dialoguer. Même pas cap ignorer 118 députés et 30 sénateurs qui pourraient siéger dans le Parlement. Je pense que quelle que soit la proposition de dénouement de crise qui a sorti, il faut les tenir compte du Parlement. Et moi-même, comme un candidat à la présidence qui est devant, je dis fort volonté populaire là, les respecter parce que jusqu'au moment où n'a balé là, le peuple haïtien a voté Jovenel Moïse nèg banana pour l'élu président de 2016 à 2021. Voilà. Compte tenu compte de en réalité aujourd'hui à monsieur Moïse, est-ce que au même au vignon l'autre compréhension de politique haïtienne là par rapport à Jean Tabgadel en dehors comme un simple businessman? Ah oui, en pile changement, par exemple, l'homme Tabgadel politique, l'homme te comprend que son secteur, qui a des mouns qui aiment Haïti, il y a des mouns qui pas aiment le tout. Mais aujourd'hui, l'homme a bien regardé, moi je viens de retourner avec mon industrie encore pour me dire, moi, ouais. Est-ce que son question que m'a posé parce que jusqu'à présent moi beaucoup entrer vraiment dans politique là c'est beaucoup moi qui sous pouvoir et m'a demandé mais est-ce que réellement en termes de pourcentage quel est le pourcentage de d'acteurs politiques ou bien de leaders politiques qui ont l'amour pour Haïti? Cette question ça me pose ces réponses ça m'a cherché qu'on y a parce que moi-même là de prendre décision mal travail mille route en Haïti. Je ne pas prendre décision parce que je ne pas le fond comme nous. Je ne suis pas qui poussait ma fait ça. Qui poussait ma prendre 3000 paysans ensemble. Je me dis, bon, ok, projet, si nous arrivons à 1 million de dollars profit, il y a 200 000 qui pour 800 000 pour moi. Ça veut dire qu'il y a 20% de bénéfices dans le projet. Mais je dis, le map garde le rôle que la politique joue dans le développement économique pays. C'est pour ça que je prends une décision pour entrer dans la politique pour mal jouer. Pour me faire politique là, jouer Wally qui t'a supposé son facilitateur, son régulateur, mais ce n'est pas ça que le dit longtemps. Maintenant, l'homme a regardé le secteur. Moi, chaque monde, j'avais dit, c'est ce qu'on nous a drap, qui n'a pas même qu'à couvrir un pied, et puis chaque monde a cherché un drap pour couvrir tout le corps. C'est-à-dire, dans la bataille, ça a cherché un drap pour couvrir tout le corps là, personne ne va besoin de drap. C'est dans ça que nous sommes là, je veux dire. Et c'est ça que fait moi-même, moi dis que moi garder le secteur avec un pile recul, moi garder l'en face, pour me dire, frère, monsieur, je suis dans la politique aujourd'hui, je suis acteur, il faut comprendre le moment arrivé pour Haïti une chance. Voilà. Ça veut dire pour Haïti qu'il a dérapé tout le monde. C'est ça. On a causé avec M. Jovenel Moïse, qui est candidat à la présidence à sous bannière à PHTK, et qui est qualifié pour aller dans le deuxième tour en regard à résultats préliminaires, conseil électoral provisoire communiqué. On soit dans TV, décision 2015, on a tourné après la pause.